Bonjour les gens, on se retrouve pour One Night Full Circle qui a soudainement décidé de fonctionner. Me demandez pas pourquoi, mais on se retrouve quand même pour ce jeu-là. Donc allons-y, Reload Games, pourquoi Reload? Load, bêtement. Enfin bref. Ils nous ont fait le... Comment ça s'appelle déjà? Bref, là c'est pour se healer. Mais du coup je savais pas du tout ce que je devais faire. Hein. J'étais bien paumé. Je ne peux pas ouvrir le placard. La porte est tightly shut. Oui, je sais, j'adore mon anglais moi aussi. Tightly shut. J'adore comment je dis ça. Bon, bref, j'ai ma steel bat en main. On va se casser. Puis, apparemment, c'était pas ici que je devais aller. Donc, je sais pas. Tourner en arrière. Il y a toujours cette espèce d'ambiance dégueulasse là. C'est une très très bonne ambiance hein. Pour un jeu RPG Maker, franchement ils se sont donnés. Donc il n'y a rien dans le tiroir. À mon avis il faut que je mette du courant dans le levier pour pouvoir avoir du... Oui tout à fait. Pour pouvoir avoir du courant dans le générateur. Enfin, faut que je mette du courant dans le générateur pour avoir un truc dans le levier. Non, tu me fous la paix, toi. On va essayer par là. Oh, non, mais... Bon, bah, je vais le buter, hein. Ça va, j'ai plus de points de vie que ce que je pensais, donc ça devrait aller. Ta gueule maintenant, je veux une machine, un distributeur Selecta quoi, merde, vous savez très bien ce que c'est, je suis sûr qu'elle fonctionne, mais même si je le voulais, même si je voulais l'utiliser, je n'ai pas de monnaie, je suis un pauvre comme tout héros de jeux vidéo. Bon, ouais, door tightly shut, ah. Is empty now. Parce que j'ai récupéré quelque chose du locker avant. Ah bah tiens, il y a une autre salle ici. Il y a quelque chose là. C'est quoi? Quelque chose dans la caisse. Trouver un vieux gant de cuir. Ok, ça va me servir. C'est quoi toutes ces cordes par terre là? Ils servaient pour attacher des gens ou quoi? Il y a des séances de bondage géante qui se faisaient ou quoi? On peut se poser la question. Mais attendez, ah attendez, il y avait une fissure dans le mur. Non, je réfléchis trop à la Silent Hill. D'ailleurs, le jeu est énormément inspiré de Silent Hill avec la lettre, les bruitages, les monstres un peu bizarres. Bon, les monstres sont pas vraiment une menace, hein, j'ai envie de dire. Attendez, maintenant peut-être que je peux ouvrir. Dégage. Peut-être que je peux ouvrir cette porte. Locked electronically. Brace yourself. Voilà. C'est à ça que ça sert, brace yourself. Je vais quand même me re-healer un coup. Bon, il n'y a plus de figure toute sombre. Allez, j'ai remarqué que la première partie était énormément sombre, donc je vais améliorer la luminosité pour celle-là, quand même. Mais je sais pas pourquoi le jeu a décidé que tout d'un coup, ah bah ouais, tiens, je veux bien fonctionner pour toi. Je sais pas. En tout cas, les sauvegardes sont pas limitées, ça me fait plaisir. Mais genre, il n'y a pas d'autres sauvegardes qu'on peut faire. Non. Ok. Bon, lui il est mort. Je sais pas, il me sert à quoi? Il me sert à quoi le... I can't use the letter glove is here. Ouh, je sens que ce jeu est compliqué, ouais. Je sais pas, je vais sortir d'ici ma foi. J'ai plus rien à faire ici, les portes sont fermées électroniquement, puis j'ai aucun endroit où aller. Mais y a rien. Y a rien. Une caisse qui me bloque le passage là de manière évidente. Bah attends. Non, je suis sûr qu'il faut pas retourner en arrière. Ça doit être une porte à la con que j'ai pas vue. Tous les coups. Restons calmes et observons notre environnement. Ah oui, j'avais les notes à regarder, tiens. Memento letter, non c'est pas ça, memo pad, voilà.
Mais c'est quoi ce bordel? Où est-ce que tout le monde est parti? Je ne peux pas faire fonctionner la télévision ou la radio non plus. Je ne peux pas faire fonctionner la télévision ni la radio d'ailleurs. Et même si je peux appeler des gens avec le téléphone, je n'ai aucune réponse. Je vais aller chercher en ville. Si vous lisez ça et je ne suis pas de retour, assumez que le pire est arrivé. Merde, c'est vrai. J'avais encore une autre Fields Post-it Note. Important. Ah. Comme vous le savez tous maintenant, le Main Power Generator a commencé à déconner un peu ces derniers temps. Alors on a installé le nouveau générateur de secours qui va s'activer si le courant principal déconne encore. Entre temps, jusqu'à ce qu'on fixe le principal, ne lui faites rien qui pourrait le faire arrêter de fonctionner. Et pour l'amour de Dieu, essayez d'être sûr de ne pas mettre de liquide interdit dans la machine. Ah, on a dû la réparer pendant presque une semaine la dernière fois que quelqu'un a renversé sa boisson dedans. En même temps, les gens sont cons, hein. Y a pas d'issue ici. Pas d'issue là-bas non plus. Bon, je vais assumer que c'est uniquement dans la dure. Ouais, dans la dure, tout à fait. Dans la dure! Ah, pourquoi les cordes me bloquent? Vas-y, c'est les cordes. Enfin. Bon. On va y retourner. Je vois pas ce qui est si effrayant à propos de ces monstres, moi. Hein. I don't need this. Au revoir. Nope. Nope, 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 nope. Il me fout la paix. Bon, c'est bien, les monstres restent morts, ils repop pas. Ouais. Un Selecta, j'ai compris. Et le message board, c'est tous les trucs pas intéressants pour toi. Ça marche. Tiens. Ah bah on peut aller par là. Des bidons d'huile là. On dirait qu'ils sont vides et ils sont en train de rouiller aussi. C'est cool là. C'est quoi là? Un générateur. Power générateur shaft, je sais pas ce que ça veut dire. Je peux mettre ma main dedans si j'ai besoin. Ok. Ok, bah mets ta main dedans. Non, il veut pas. Ok, y'a quoi ici? Ah là, le petit ordinateur. C'est un terminal pour contrôler le générateur d'urgence. Le générateur d'urgence ne va pas démarrer parce que le principal est toujours en train de fonctionner. Ok. Donc ça c'est le générateur principal, il est où alors? J'ai trouvé le secondaire mais le principal il est où? Non, parce que je veux bien vos conneries, mais quand même, faut me dire où il est le générateur. This doesn't work at all. Yeah, bro, yeah. yeah. Bah, je sais pas ce que je dois faire. Hein. Leave. Ces sons ripés de Silent Hill, ça me... Oh le bas. Bon, j'ai donc découvert que j'étais con et qu'il y avait bien et bien des ouvertures que j'avais pas vues les premières fois. Ici, j'avais repéré. Y a pas d'autres ouvertures? Non. Pas d'autres ouvertures. Ici, c'est pas une ouverture. Je sais pas.
Excusez-moi, monsieur le monstre, je ne fais que passer, je vais voir s'il y a une autre issue par là-bas. Et visiblement pas. Ça a juste l'air du stockage. Mais y a rien, je peux aller nulle part. Ça me saoule. Ce jeu est exagérément sombre. J'ai du mal à voir partout où je vais. Cette espèce de musique d'ambiance finit par me transpercer les oreilles à force. J'en ai marre d'être bloqué, enfin. Je sais pas où je dois aller. Je ne sais pas. Il doit y avoir encore une porte que j'ai pas vue. Le main generator is still working. Je veux bien, mais il est où le main generator? Dites-moi tout. I can put my... Mais merde, c'est vrai. La cola bottle. Ah, sérieux, je suis con. Cola bottle, allons-y. Ah oui, en plus ils le disent bien, ne versez pas de liquide dedans, c'est d'ailleurs pour ça que je vais le faire. Et puis fuck it. Allons-y. On va essayer de mettre du cola dans le générateur. Et on verra bien. Hein, pas tout, qu'est-ce que ça peut bien faire? Non, c'est pas ça. Utiliser la bouteille de cola, wow. Ça a pété. Voilà. Julia. Oui. Tu vais gentiment. Ok. Voilà, excusez-moi, on m'appelait. Bah oui, je veux bien l'utiliser cette fois. Wow, y aurait-il la lumière? Le générateur d'urgence a démarré. Et j'ai rétabli le courant. Ouais. Je vois pas grande différence niveau luminosité, mais ok, t'as rétabli le courant, c'est bien pour toi. Bon, maintenant je peux aller à la porte locked electronically, c'est ça? Mais avant ça, je vais quand même faire une petite sauvegarde. Parce qu'il y a une sauvegarde pas loin, je crois, pourquoi je me priverais. Ouf. Ah, j'aime bien la petite musique qu'il y a dans le point de sauvegarde. Au moins a-t-il pensé à mettre une musique relaxante dans le point de sauvegarde pour t'indiquer que coucou, t'es safe ici, pas de problème. Il y a certains jeux qui n'y pensent pas. Du coup, tu rentres dans... Ouais, un point of damage, c'est bon. Hein. Bon, écoute, tu veux te battre? On va se battre, toi et moi. Oh, il est puissant, celui-là. Ouais, ouais, je sais, heal low. C'est bon, il allait crever de toute façon, et puis j'ai du heal juste à côté. Bon, j'ai plus que une fois pour me heal, mais c'est pas grave. Ouais. Ok. Ça a été dirty head. From my blood and my sweat. Et ça a été sali par mon sang et ma sueur. Ma sueur d'homme. Ha! Wow. Ah, qui es-tu? Est-ce que tu es l'un d'entre eux? Quoi? Est-ce que tu es en train de parler à propos de ces monstres? Qui es-tu? Hey, du calme, je ne vais pas te faire de mal. Je suis seulement en train de chercher pour... en train de chercher quelqu'un, c'est tout. En train de chercher quelqu'un? Qui es-tu? Qui es-tu alors que je suis moi aussi dans une mine qui ne m'appartient pas, dans un lieu où je ne suis pas autorisé à être? Réponds, parce que j'ai raison. Mon nom est Colt. Il faut me recharger souvent d'ailleurs. Blague de merde. J'étais un agent de la CIA. Maintenant... Qu'est-ce que tu dirais de répondre à la question? Je suis Tom, Tom Hawking. J'essaie d'aller à Stillwater, comme ça je pourrais trouver ma sœur Alyssa. Elle a disparu dans la ville.
Qui as-tu dit que tu étais en train de chercher? Une fille. Quelqu'un que j'ai perdu 7 ans plus tôt. Son nom est Tiffany. J'ai reçu une lettre me disant de venir à Stillwater. Et c'était son écriture. Une lettre aussi. C'est la piste que je suis en train de suivre pour trouver ma sœur. Quoi à propos des dates? Est-ce que vous en avez une? La mienne est datée de 3 mois plus tôt. Mais je l'ai eue juste le dernier week-end. Enfin, la dernière semaine. La semaine d'avant, quoi. C'est pas facile de traduire l'anglais comme ça, vous êtes gentil, vous. La mienne aussi! Hey, something... enfin, hey, quelque chose d'étrange est en train de se passer ici, je pense. Est-ce que tu sais quelque... Qu'est-ce que tu sais quoi que ce soit à propos de ça? Quoi? Tu veux dire ces monstres et... disparitions? Non, je ne sais rien du tout. Pourquoi tu demandes? J'ai expérimenté quelque chose comme ça avant. C'est quand j'ai perdu Tiffany. C'était des années auparavant. Et il y avait des monstres similaires à ceux d'ici, mais... Je pense que quelque chose de différent est en train d'arriver ici. Tu as expérimenté des choses comme ça avant? Quand? Et qui es-tu exactement? Ah, ça y est, on voit ton visage. Je suis le seul survivant d'un accident qui s'est passé dans une base scientifique 7 ans plus tôt. L'administrateur de la facility, enfin de la base, a causé un accident. Quelqu'un l'a payé pour le faire. L'incident a envoyé la base entière dans une brèche interdimensionnelle. Nous étions tous coincés dans un monde étrange, rempli de créatures bizarres. J'ai réussi à annuler ça et à nous retourner dans notre réalité. Mais Tiffany, elle n'a pas réussi. Comment voulez-vous répondre? Je suis désolé qu'elle ne l'aille pas, make it. Tu as été chanceux de survivre. Ouais, je suis désolé. Enfin, quoi qu'il en soit, ce n'est pas comme ça. En premier, il y a cette lettre que nous avons tous les deux reçue de nos personnes disparues. Et il y a le fait que cette zone entière est encore fermement au milieu de notre réalité. Les monstres sont différents aussi. J'ai entendu dire qu'il y avait une démonstration scientifique à Stillwater... le jour où tout le monde a disparu. Mais peut-être que quelque chose de similaire est arrivé. Quelque chose d'étrange est en train de se passer définitivement. Qu'est-ce qui se passe avec ces lettres et tout ce bordel? Oh, c'est bientôt fini là de parler parce que j'en ai marre de traduire. Ah bien, j'ai remarqué que le courant est revenu, oui, grâce à moi, merci. Il y avait quelques portes qui ne pouvaient pas être débloquées sans le courant. Je vais y aller et regarder ce que je peux trouver dans cette place. Il doit y avoir un moyen d'accéder à la ville. Et pourquoi pas par la route, hein, plutôt que d'y aller par la forêt, bordel. Ok, je vais faire ça aussi. Soyons tous les deux prudents. Il peut y avoir des choses dangereuses en bas. J'espère que tu vas trouver une voie. Enfin, trouver ta route. Moi aussi. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas trouver ta sœur. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un dont on était proche. Au revoir. Bon bah nous on va sauvegarder puis s'arrêter là parce que ça fait 20 minutes. Et je n'ai plus de temps. Clou 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 cl
Et boum, à computer, ouais, je vais save game. Voilà, sur ce, tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Mettez un j'aime, ça me ferait encore plus plaisir. Et si en plus vous aviez l'idée de commenter, mais alors là, mon cœur irait vers les cieux. J'exagère peut-être un peu, mais voilà, je serais quand même content si vous le faisiez. Allez, sur ce, à plus tout le monde, c'était Nazband pour vous servir. Bye.